Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter le Feiyutech G6 Mac... Pardon, petite erreur. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Ronin SC de chez DJI. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le Ronin SC au final? Tout simplement parce que j'ai commandé un Feiyutech G6 Max que je l'ai essayé et que c'est, à mon point de vue, pas vraiment un outil pour faire de la vidéo. Je ne sais pas comment expliquer. Pour moi, le Feiyutech G6 Max, c'est plus un gadget qu'autre chose. Celui que j'ai commandé avait du mal à faire tourner la caméra. Et quand je parle de caméra, je vous parle de cette caméra. Petite Sony mirrorless. Alors, c'est pas compliqué. Cette caméra fait à peu près 400 grammes avec son objectif. Et le Feiyutech G6 Max est prévu pour 1,2 kg. Je doute très fortement que 1,2 kg puisse être maintenu par une Feiyutech G6 Max. Parce que déjà avec ça, continuellement, la gimbal perdait l'orientation de la caméra et c'était absolument atroce. On pouvait pas faire un film correctement. À moins que vous ne vouliez remettre en place la caméra toutes les 2 minutes ou toutes les 30 secondes, parce qu'à chaque mouvement vous vous retrouvez avec la caméra qui pointe en l'air, qui pointe en bas, qui pointe à droite, qui pointe à gauche. Enfin bon, bref. J'ai donc pris un DJI Ronin SC pour voir si celui-ci fait mieux le travail. Visiblement, ça a l'air d'être quelque chose de qualité. Il est un peu plus cher, je crois que je l'ai payé celui-ci 150 € plus cher qu'une G6 Max. Donc on va l'ouvrir et on verra ensemble ce que ça va donner. Et je vais vous mettre la caméra un peu dans un meilleur angle pour qu'on puisse ouvrir la boîte ensemble et découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors, voilà. On va ouvrir cette boîte. On va voir ce qu'il y a dedans. J'espère que celui-ci sera nettement meilleur que le G6 Max. Parce que, franchement, le G6 Max, ça vaut pas une cacahuète. Allez, c'est parti. Je vais l'ouvrir, hein. Emballage, je suis pas très conservateur, donc les emballages m'en fiche. DJI Ronin SC. La mallette est bien. Petit plastique sur la poignée. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Okay, hein. Le mode d'emploi. Phone holder. Quick start guide. Mode d'emploi. Mode d'emploi en français, voilà. C'est pas mal. Il y a le pif, hein. Vous m'en voudrez pas. Alors. Câble USB-C vers USB. Certainement pour pouvoir charger. Tout de suite le brancher par là. Hop.
quelques petites billes pour que tout reste bien sec, pas d'humidité. Jeu de clés. Deux clés cipant, quelques vis. Et une plus grande vis. Ok. Alors, ça. Un trépied. Oh. Le trépied a l'air bien. La poignée qui est aussi une batterie. Je vais tout de suite visser le trépied dessus. On visse le trépied, voilà. Alors. Ah, une petite mousse de protection. Plus une étiquette. Allez, on enlève ça. Et hop, et voilà. Elle est plus neuve. Système de verrouillage, c'est pas mal. Y'a rien qui bouge. Allez. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la platine. La platine. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un adaptateur USB-C vers micro USB. Voilà, c'est pratique, ça peut servir. Une petite bille de gel. Un cordon. Un USB-C vers USB-C, certainement pour le brancher ici, pour pouvoir recharger l'appareil photo ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Faut pas que j'étudie le mode d'emploi. Une autre platine. Je ne sais pas à quoi elle sert. On verra bien. Petit support. Ah, ça je crois que je sais à quoi ça sert. Utilise la vis. Voilà. On la met au bout de la platine. Voilà. Hop. Et si vous avez des gros objectifs, ça sert de support sous l'objectif. Ok, c'est pas mal. C'est peut-être une platine pour rehausser l'appareil photo, le cas échéant. On verra bien. Et maintenant, dernière pièce. Alors, ça c'est un support de smartphone. Je ne sais pas si on peut le monter sur la gimbal ou... Je crois que on peut le mettre parce qu'il y a ici une griffe pour monter sur un support de flash d'un appareil photo, et je crois qu'on peut le mettre au-dessus de l'appareil photo pour pouvoir connecter le smartphone à l'appareil photo. Je n'ai pas d'appareil photo qui supporte cette fonctionnalité, donc je ne pourrais pas m'en servir. Alors voyons voir.
Ok, il y a des... Alors, faites attention quand vous démontez ça, il y a deux petites vis. Je crois que cette platine vient se mettre ici à la place des deux vis pour pouvoir fixer son téléphone portable à la gimbal et donc ainsi avoir le téléphone en latéral comme ça pour pouvoir voir ce qu'on filme ou commander la gimbal parce qu'elle peut se commander via votre smartphone. Alors ici un support fileté standard. Ouais, je pense qu'on peut... mettre un smartphone. Mettre un smartphone. Pour pouvoir filmer avec son smartphone. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est pas mal du tout. Je vais monter ça. Hop, ça j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais me contenter de ça et de ça. Et je vais essayer de faire quelque chose avec cette gimbal, de mettre un appareil photo dessus rapidement pour qu'on puisse voir si la prise en main est facile. Oh, ça se ferme pas. Pour voir si la prise en main est facile et si la gimbal fonctionne correctement. Je vais essayer d'allumer le Ronin SC pour la première fois. Je ne sais absolument pas comment il fonctionne. Ça va être compliqué. Alors, manuel. Ah. Il faut télécharger l'application DJI pour pouvoir initialiser le Ronin SC pour qu'il fonctionne la première fois. Donc je vais chercher mon téléphone portable, télécharger l'application et déverrouiller le, enfin activer le Ronin SC. Alors une fois que l'on a activé le DJ Ronin avec l'application, on a un petit guide pour le paramétrage des moteurs et l'équilibrage des moteurs à percer des boutons. Alors je vais vite le faire parce que comme je n'ai aucune idée du fonctionnement de cette gimbal, je vais regarder ce qu'il y a dans ce petit tutoriel et on va essayer de faire fonctionner cette gimbal juste après. Alors, ah ok, ce sont des vidéos. Alors l'application est en train d'upgrader le firmware du Ronin SC. Donc on va voir ce que ça va donner. Franchement, DJI, vos trucs d'activation et vos trucs de connexion et de firmware, c'est compliqué et c'est pas très très facile à faire. Vous pourrez faire un effort sur ce côté. Hein. Alors, voilà, après environ 30 minutes à retenter de faire un upgrade du firmware sur le DJI Ronin SC, j'ai finalement réussi. La gimbal fonctionne, elle a été activée. C'était pas une mince affaire. J'espère que ce sera peut-être un peu plus facile à l'avenir sur les prochains modèles de la marque DJI parce que la caméra avec laquelle j'enregistre est une DJI Osmo Action et c'est pareil, lorsque je l'ai activée, c'était une vraie galère. J'ai passé au moins une demi-heure, trois quarts d'heure à essayer d'activer cette caméra. Elle fonctionne très bien depuis, il n'y a pas de souci, c'est juste l'activation qui est un peu galère.
Enfin bon, voilà, alors petite démonstration rapide. J'ai enfin pu faire fonctionner cette gimbal. Alors vous pouvez le voir. Elle fait des panoramiques qu'elle suit en follow mode. Enfin, je ne sais pas si c'est follow mode. Franchement, il va falloir que j'étudie la question d'un peu plus près. Mais un truc qui est sympa, c'est pour ça que j'ai acheté une gimbal, pouvoir faire du vlog un peu plus facilement, parce que vous verrez dans mes prochaines vidéos, je vais vous faire des vidéos concernant mon domaine favori qui est l'automobile, et pour pouvoir faire un vlog mécanique et filmer en même temps, on peut se mettre en mode selfie. Merveilleux, ça fonctionne. Et voilà, ça suit les mouvements. On peut voir que hop, voilà, c'est pas mal. Honnêtement, très bonne gimbal. Rien à voir avec la Feiyutech G6 Max. Alors, la Feiyutech G6 Max, franchement, comparé à ça, c'est zéro. Hein. Ça vaut pas. Ça vaut rien comparé à ça, quoi. Je sais pas comment expliquer. Achetez ça si vous avez envie. Enfin, moi c'est tout vu. Hein. Là j'ai un truc qui marche, ça marche bien, cette qualité. Voilà, ça fonctionne. Ma gimbal fonctionne super bien. Hop, hop, comme vous pouvez le voir, c'est super classe. Et puis deux fois, ça se remet en place. Que du bonheur. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, un pouce vers le bas. Lâchez vos commentaires, je les lirai, je vous répondrai, posez vos questions. Abonnez-vous, l'abonnement ça m'aide. En plus, si vous vous abonnez, vous pourrez participer à la tombola que j'organise. Et vous pouvez avoir la possibilité de gagner un appareil photo Nikon, une carte mère Asus ou un petit Steadicam. Donc c'est à vous de voir. En attendant, vous pouvez toujours visiter mon site web. Allez, à la prochaine. Bye bye.